Ce forum de Casablanca était vraiment très riche. Très forte participation en nombre, mais aussi en qualité. Les débats étaient fructueux. Et on voit bien qu'on est à un tournant dans l'histoire de la sécurité sociale d'Afrique. Pendant longtemps, l'idée même de sécurité sociale était quelque chose de négligeable, de marginal. On se disait que les pays pauvres n'ont pas besoin de ça, il y a d'autres priorités. De plus en plus, cette idée est enterrée. Cette idée est totalement fausse. Tout le monde d'aujourd'hui convient que le développement et la sécurité et la protection sociale ne sont pas antinomiques. Cette idée-là commençait à émerger depuis quelques années. Maintenant, on voit bien qu'elle est bien intégrée dans les politiques de développement de beaucoup de pays. Ça, c'est quelque chose de très positif. Mais on voit bien que ce tournant est pris et nous espérons que cette prise de conscience sera de plus en plus traduite dans les faits par les politiques publiques d'emploi et de sécurité sociale, mais aussi une meilleure professionnalisation des organisations de la sécurité sociale. Les participants aussi ont parlé, montré des exemples réussis de façon de travailler innovative, d'utilisation intelligente de technologies nouvelles, informatique et communication. Des façons de travailler également avec des populations qui sont des populations rurales, des populations précaires, mais en utilisant directement des moyens modernes, on arrive non seulement à les identifier, mais en plus à les couvrir valablement avec des coûts de gestion qui sont limités. Et là, c'est ce qui nous montre la voie pour le continent africain. Et là, il y a une unanimité de tous les délégués de constater que nous avons des mines d'or, je dis bien des mines d'or, au sein du continent africain. Et j'espère que ces mines, qui sont des idées, des process, vont être exploitées par les Africains pour mieux fonctionner à l'avenir. Les organisations également de sécurité sociale est un levier majeur. On peut avoir de bonnes politiques, mais si elles ne sont pas adossées avec des organisations efficaces et efficientes, nous risquons d'échouer, même si le projet était bon. Et là, la prise de conscience, on l'a bien vu et senti, elle est totale et globale auprès des dirigeants des organisations, de dire nous avons besoin d'être performants pour créer la confiance, et c'est ça aussi qui va pérenniser l'idée de la sécurité sociale. Donc pour ma part, en tant que vice-président, je suis tout à fait optimiste pour la Suisse et particulièrement pour le continent africain. L'espace de l'AISS est un espace unique. Nous n'avons pas son équivalent dans le monde. Et peut-être avec aussi le centre de l'excellence qui va être utilisé comme une plateforme d'échange de toutes les organisations africaines, mais aussi avec nos collègues de tous les autres continents, je suis tout à fait très confiant pour que l'on obtienne encore de meilleurs résultats pour atteindre l'objectif qui est d'étendre la couverture sociale au maximum des habitants de cette planète, mais dans des conditions qui soient affordable sur un plan économique, que l'économie puisse le supporter, mais avec une excellente qualité de service.